D'abord, ces états généraux, ce qu'on a constaté, ça devait être. On devait prendre du temps pour bien réfléchir et avoir des conclusions adéquates pour assainir le secteur du transport. Mais des états généraux qu'on veut faire dans 3 jours, là-bas, il y a problème. Pour rassembler tout le Sénégal dans 3 jours, nous, à Ziguinchor, là où je te parle, le président de la Gatière est là. Est-ce qu'il ne devait pas être invité? Il devait être invité, ok? Ou associé même. Mais on a entendu dire que l'État est en train de va commencer ses états généraux pour 3 jours. Est-ce que c'est ça qu'on attend de cet État? L'État général qui devait être, ça devait être l'objet d'une réflexion de 2 ou 3 mois pour avoir des conclusions adéquates pour assainir le secteur. Bon, pour nous, d'abord, il y a l'état des routes. Ce qu'on a toujours tendance à dire, les routes ne sont pas élargies. On doit élargir les routes, surtout les routes nationales, doivent être élargies. Et le constat que tout le monde a fait parmi nous, les Sénégalais, des routes qui sont des routes là où on expose nos populations, je veux dire, des routes là où il y a des marchés, des routes là où il y a des écoles, des routes là où il y a des routes qui ne sont pas dignes de leur nom. Il y a la population même aussi qui construit à l'endroit des routes, là où devait avoir une distance de 500 mètres de rayon. Et tout ça, toutes ces mesures-là ne sont pas prises. Donc ces états généraux, si on associe tout le monde, je pense qu'il y aura quelque chose qui va sortir. Mais si on veut le faire dans 3 jours, je ne dirais pas que ça ne va pas réussir, mais je pense qu'il y aura des manquements.